Alors que la direction du Barça voulait dégraisser à tout va cet été, ça n'avance pas vraiment. Le FC Barcelone vient de frapper un très joli coup en s'offrant Ilkay Gundogan. Et ce n'est pas fini, puisque la presse catalane est unanime. L'arrivée de la pépite brésilienne Vitor Roque est elle aussi bouclée. Deux opérations intéressantes donc, auxquelles il faut ajouter Inigo Martinez, le défenseur central de l'Athletic qui devrait lui aussi débarquer gratuitement. Trois potentiels recrues de qualité, mais aux yeux des Catalans, ce n'est pas encore suffisant. Seulement, pour avancer sur d'autres opérations, le Barça souhaite encore s'offrir un latéral et un milieu, il faut dégraisser. D'ailleurs, même si l'arrivée de Gundogan est officielle, son inscription auprès de la Liga n'est pas encore totalement garantie. Et pour cela, il faut vendre à tout va. Problème, les joueurs dont souhaite se séparer le Barça ne veulent pas partir. C'est le constat que tire le quotidien Marca en ce début de semaine. Ferran Torres, principal candidat à un départ et joueur, avec une belle cote sur le marché, n'a ainsi aucune intention de faire ses valises, malgré l'intérêt de plusieurs clubs britanniques. Pas forcément indésirable, mais tout de même sur le marché, Rafinha est dans le même cas de figure. Hors de question de quitter la Catalogne. Ansu Fati, le troisième joueur sur lequel le Barça comptait pour remplir ses caisses, a lui déjà refusé plusieurs propositions et ne veut pas changer de club cet été. Une situation qui inquiète, à l'heure où la direction veut encore économiser 80 millions d'euros sur la masse salariale de l'équipe, actuellement de 530 millions d'euros sans compter les recrues. D'autres joueurs, comme Clément Lenglet ou Dest devraient trouver preneur, mais leur départ ne serait pas forcément un grand coup de pouce sur le plan financier. Dans le viseur du PSG, du Real Madrid, ou encore de Manchester United, Harry Kane, disposé à quitter Tottenham, semble avoir fait son choix pour la suite de sa carrière. Si le clan du buteur anglais avait déjà ouvert la porte au Bayern Munich, le capitaine des Spurs est bien décidé à rejoindre la Bavière. Selon les dernières informations de Sky Sport, le Bayern serait même optimiste quant à la possibilité de s'offrir l'attaquant des Trillions contre moins de 100 millions d'euros. Une bonne nouvelle pour les hautes sphères bavaroises, déterminées à l'idée d'enrôler un avant-centre de classe mondiale durant cette fenêtre estivale. Depuis que Kylian Mbappé a adressé un courrier au Paris Saint-Germain pour annoncer sa volonté de ne pas prolonger son contrat après juin 2024, l'avenir du capitaine des Bleus est toujours aussi flou. Le PSG reste toujours clair sur sa position et ne veut pas que le meilleur buteur de Ligue 1 parte libre. Pourtant, Mbappé n'a jamais caché son envie d'honorer sa dernière année de contrat avec son club actuel. Le PSG est donc dans une impasse, puisqu'en cas de départ de Kylian Mbappé, il faudra tout reconstruire. Lors de plusieurs réunions, Nasser Al-Khelaifi a récemment expliqué la position du club à l'entourage du joueur et le président parisien aurait tenté de faire comprendre qu'il était préférable que l'avenir du Français soit rapidement réglé, d'après les informations du Parisien. Cependant, il n'a fixé aucune date butoir, alors que le Real Madrid surveille de très près la situation.